Ouais. Ouais. Ouais, voilà. Bon. Alors. Bon, la vie était pas trop dure sans moi. Non, ça va. Juste qu'on s'emmerdait un peu, mais bon. Ah. C'est quoi le drapeau de Sableg? Sableg, c'est un Sablé. drapeau d'un chien incompréhensible. C'est pas un drapeau de pays, c'est. Je sais pas, mais. Ah ouais, c'est Sky, ça va, j'ai. Je me demandais, c'est qui ce putain de russe là? C'est pas Kivat? qu'est-ce que je vais dire? Ah ouais. Normalement, après la Hongrie, Estienne arrête le championnat. Non. Il paraît. Oh Michel, Michel champion Non, non, non. VP2. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Sam Winner domine de bout en bout, quoi. Voilà, mais bon. T'as encore d'avance. Ça sera à toi de la gérer, ton avance. Pas beaucoup quand même, hein. Il a que deux courses de retard sur moi, en fait, hein. Bah ouais, mais bon, c'est de quoi se. Ça se reprend pas facilement non plus de course. Je sais, mais bon, vu qu'il termine. Les deux grands prix où il a gagné, il termine quatrième. Oh putain, ça a lancé. Gimli, il est là? Il a lancé la diffusion, ouais. Bon, j'ai peur. Mais il n'est pas là. Mais Oula. on est que 14 ou quoi? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On est 14. Putain, mais j'ai bien fait de venir. Hein. Je crois qu'en Autriche, à F2, on était 12. J'ai quand même bien fait de venir parce que même si je vais pas faire un bon résultat, je vais prendre des points. Bon. C'est bien De toute ça, façon, faut après, prendre des Grand Mimi va revenir, il va tous nous enculer. Mais oui, au moins, ça me fait un petit peu d'avance. J'espérais te dire une ou deux courses. Ah, si Et je s'il serais doit prendre revenu des points. à ce grand précis, j'aurais eu moyen de niquer le bon. Oh, jamais, j'ai trop Les fort. gars. Je me suis pas entraîné, je nique personne, moi, je me suis défoncé. Après. J'ai mis un t-shirt blanc aujourd'hui, Kala. Pas de pluie prévue. Ah ouais, ok. Je m'y attendais pas, donc T-shirt tant mieux, tout Williams. va. T-shirt. Ah d'ailleurs, ouais, ça me fait chier, j'ai plus de course. C'est pile dans la semaine des présentations de la F1. Ma semaine Ah ouais. préférée de l'année. Az a surpris tout le monde en présentant sa F1 le Ouais. jour avant Williams. J'ai rattrapé mon retard aujourd'hui. J'avais déjà vu depuis le Voivy, parce que tous les midis. Taxe le téléphone des potes, je taxe internet avec les camarades quoi, par rapport à ça. Mais Ah, sinon. putain, comment ils ont eu pitié de toi, quoi. Ils sont bien obligés. Ouais. Bien, Je m'occupe de ces modifs. Bon. Allô. du coup, ouais, j'ai vu la Williams, j'adore. La Williams, je la trouve très belle. J'ai souvent été déçu ces dernières années par la Williams, cette année, je la trouve très très belle. Ouais, à Bah, je part suis le halo. déçu, je la trouve.
Ouais, à part le halo qui rend le truc un peu moins beau, mais même moi, le halo, ça va, il me dérange pas tant que ça. Et je la trouve franchement là, très belle. Le fait qu'il soit peint avec la couleur. Ouais, le fait que ça soit peint, ça va. Ouais, moi il se marie bien la voiture, il se. Moi j'avais peur en fait que les halos en fait ne soient pas peignables. Ouais, non, ils ont quand même un petit logo de liberté à ce que j'ai compris sur les halos. Mais c'est une pièce unique, hein, c'est. Ils peuvent pas la faire comme ils veulent. Non, mais ils peuvent modifier un peu le. Je crois qu'ils peuvent modifier un peu l'arceau, le pied central, je crois, et le. Ils peuvent quand même porter des petites améliorations sur le. Ils vous trouvent des ailerons dessus, quoi. Ouais, non, bah, c'est un peu ce qu'on avait vu l'an dernier avec au test à Abu Dhabi avec McLaren. Je crois que c'est autorisé. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est autorisé, je trouve ça. Mais je la trouve vraiment, vraiment belle, l'arrière. Je suis magnifique. Super aussi. Moi, j'ai été des amis. Les dernières années, j'ai toujours été déçu par Williams en mode je trouvais que c'était juste une évolution, mais là cette année, je trouve quand même qu'ils ont. Peut-être le fait qu'ils ont foutu bien du aussi noir sur la carrosserie. Hein. Ouais, aussi le noir, mais le même. Regarde les pontons comment ils sont. Ah putain, ils envoient, ils sont agressifs. Ouais, c'est parti pour moi. Et vous êtes 14, c'est pas 13. Oh putain, ça. Donc ça intéresse qu'il commande des barres à chaud. 18-3. 16 points. Tu es troisième sur la grille de départ. Ouh, il y a des bugs. Je crois que c'est la première entrée descente que je fais depuis le. Il y a de l'aileron. Ouais, il y a de l'aileron dans l'entrée. Par contre, cette entrée descente, elle est traître parce qu'il n'y a pas de panneau. Ouais, je me suis à voir là, j'ai fait une XF. Donc, quand j'ai fait un 100% hier soir. J'ai terminé. Terminé deuxième derrière Vettel. Ouais, le pauvre il désespéré. Il fait ouais, tu veux faire un Rocket? Ouais, je finis juste ma simulation de course. Ouais, il te reste combien de temps? Ouais, je suis au 17ème tour sur 70. Mm-hmm. Ah, ok, bon bah je serai au dedans.
Bon, je suis pas trop mécontent de mon tour, mais je peux faire mieux. Bon, pour le premier run, je suis pas. Ça va. Je suis plutôt satisfait, même si je sais que tu peux encore faire chier facilement. Ça me va pour le moment. Mais le drapeau de Sablec, c'est quoi, tri? Je sais pas, je vois pas. Donc, un drapeau blanc. C'est pas Chypre? Montre-toi. Ouais, non, c'est pas Chypre parce que le Chypre, c'est le pays qui est à l'intérieur du truc blanc. C'est pas un truc comme ça. C'est l'accord du pays à l'intérieur. C'est pas un drapeau qui existe pour moi, ça. Enfin, un drapeau de pays. Il ressemble à quoi? Il est tout blanc et au centre t'as comme un nuage, mais une espèce de truc bizarre. Comment une capture, si tu sais? Alors, comment ton premier chrono? Moi, ça va. Franchement, ça fait. J'ai pas tourné quasiment. Enfin, j'ai tourné, mais aujourd'hui, j'ai pas encore tourné. Je vais attendre que je prenne le rythme. Je suis à 18 toi. Ouais. Alors, Ryu qui s'est mis cinquième, à 30 millièmes de toi, Gimli. Ah, je vois le drapeau. C'est pas le drapeau T'as vu, c'est des quoi le JO, drapeau? non? Ouais, ça ressemble presque au drapeau des JO, mais les anneaux, ils sont plus. Ils sont pas vraiment comme ça, quoi. Il faut que je trouve Mickaël dans tout ça, là, avec toute la conversation qu'on a. Je vais vous la converser avec Mickaël tout seul. Le le drapeau de Pyeongchang. Ah, Mickaël. Pas si t'as vu le drapeau, je te l'ai envoyé, Mickaël. Ouais, on voit le quand même. Ouais, je l'ai vu en petit. C'est Guy qui commence le live? Joe, c'est bon. Hey Joe, t'as fait quoi là? Bah ça, ça doit. Pour moi, si je sors le bon tour, je peux faire troisième, le 17-7, il est faisable. Pareil, mais il faut vraiment que je sorte le tour. 18-0, je vais être content, quoi. Je suis impressionné, je suis devant Ryu. Je pensais ouais. je pensais me mettre 8e sur la grille. Bon, c'est pas fini. Hein. Alors le drapeau, c'est le drapeau taïwanais. Oh putain, il est allé chercher. Voilà. Ouh, c'est les Chinois qui vont pas être contents. Chez Red Bull, on veut des pilotes. Toi, t'en vas. Charlie à 20 millièmes de réunion. Ouais, ils sont passés vraiment, faut que je passe. Il y a Rio en train de faire un tour, mais il s'est loupé, prend la froid. Trafic là, c'est impressionnant le trafic qu'il y a. Je vais me garer, j'ai une machine pour attendre la ligne là. Passez tous là, ça fait plaisir. Mais laissez-moi les pistes libres. Ouh, Mitch. Ouais, Mitch et Inko. Je t'approche. Ah ouais. Sky, 17-0 devant Freedom. BG.
D'ailleurs, c'est ton pote, ça, lui. Louis, on est 17-8. Oh putain. Crash de Louis. À peine. On va se dixième. Bon, bah écoute. C'est mal le manque de training. Oh, Louis, putain. Ah, Louis, cinquième. Il y a une chauffe. Il dit mi-quatre, je dis. Ouh, yeah. That's what I'm talking about. Allez, je vais fumer une et je reviens. Putain, déjà ? Putain, ça fait même pas 20 minutes qu'il va au grillé. C'est une usine, le mec. Une usine. Bon. La P10. Ah, quoi, on va se battre par la P10. Chaud à lui. C'est là que tu vois l'entraînement. Ah, mais qui résiste à l'entraînement quand même. Quand tu t'entraînes pas. Ouais. La même sauce. Non, c'est dommage, franchement, quand je vois les chronos, je pense que la 4ème place était accessible. Mais là, du coup, ça me fait peur, quoi, partir en peloton là. Ghibli va être devant. Ouais. Bah, là, c'est dur. Là, ça va vraiment être l'objectif de le moins plus possible, éviter les accidents. Faire gaffe à Louis. Parce que s'il fait un modèle de départ. Je sais pas s'il leur fait de souvent de bon. Je sais que Charlie à côté de moi qui prend des bons départs. Ouais. Souvent. Rio aussi il est très bon au départ. Il nous aussi deuxième grand prix, il a pris des départs canons à chaque fois. Ça va aller vite devant moi au départ. Là mon but ça va être premier tour 8ème, ça serait bien. Bah écoute, on va voir ce que la course nous propose. Tu vas pas de safety car là, je suppose. Toujours pas. J'ai pas sorti le bon tour. Et en course, tu sais, ça tourne en combien? J'ai pas encore fait de 6000 courses. En course, pense quand même avoir un rythme meilleur qu'en qualif. Dites-moi s'il y a il y aura de la pluie ou pas. Non, pas de pluie. Ok. Très. Tu n'auras pas ton info, connard. De faire un chrono et puis partir avec le plein. Donc je dis quoi? Il a mis un panier à 3 points, ce con. Ah oui, je suis passé deuxième au championnat. Ouais, j'ai vu. Je repense mon travers. 2-3 points devant. Killer, c'est ça, ouais. Les gars. Oh, killer. Ouais. Pourquoi sur les positions, chez moi, il y a écrit 4 sur 8 ? Chut.
stable. J'espère que ça n'a pas bugué, ça passe une assez sur en deux, parce que là... Par contre, fais gaffe au carburant. Ouais, je sais, il est chaud. Sur plus de courses que j'ai fait à chaque fois. Les 10 premiers tours, enfin, j'ai fait 10 tours de 3 fois, j'ai fait les 10 premiers tours, et le carburant, c'est chaud. Ouais. Moi, je vais essayer de faire 20 tours avec mon premier jeu de pneus. Ensuite, 28 en soft, et puis 22 en super soft. Quoique, je vais peut-être en faire moins. Peut-être 17 pour tenter l'undercut. En tout cas, je suis content. Quatrième en qualif, c'est bien. Ouais, c'est tout. Je suis même pas déçu, j'aurais pas dû être là. Mais... T'es combien, dixième? Ouais. Le temps que tu vas te finir, il y aura certainement de la casse. Ouais. Parce que, ouais, je sais pas si t'as remarqué, le dernier virage, l'avant-dernier virage est très 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 à la réaccélération. Ouais. Plus de l'heure comme ça traite, et même au niveau des pénalités, si j'en prends pas beaucoup, je gagne quelque chose. Oui, moi j'en ai pris 9 sur ma simulation, 9 secondes sur ma simulation de course. Ouais. Vu que je me suis pas beaucoup entraîné, je pense que je vais pas mal en prendre. Mais... Essayer de limiter les dégâts comme je peux. Ouais, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Hein. Je dois faire dans le peloton. Ça doit faire. Il y a combien de pilotes sur la grille? Il y a 14. Il n'y a que 4 gadets à moi. Bon, en même temps, quand tu vois le niveau. Quand j'ai vu le temps de Louis, je me suis dit, ouais, il faut que je me bouge. Mais lui, il a fait une super qualité. Oui, oui, mais il a fait des très très beaux chronos en CLM. Course, le premier virage ici est chaud aussi. Tu m'as dit que t'étais à combien en course? Mais je crois 23 sur le premier secteur. On veut premier relais. Premier relais. Oh, c'est en 23, il y a moyen que je sois dans ton rythme, mais le problème c'est que il y a 6 pilotes en nous, donc je sais pas s'ils sont tous en 23-0 ou pas. Donc, ouais. Donc là, mon premier relais, ça va être. Moi, je vais essayer de faire une course en limitant la casse. Essayer d'aller chercher la P6. Ouais, P6, j'aimerais bien aussi. Dis-moi, à l'avant-dernier virage, quand tu freines, tu prenais le vibreur extérieur ou pas? Non, je le touche pas en tout cas. T'envoyais direct dans le décor? Ça te casse les couilles, ouais. Ok. Moi, j'ai plus l'impression d'avoir de la stabilité, mais bon, avec des aides, c'est différent. Mais là, il y a... mais là c'est un freinage de merde parce que tu bloques très facilement. J'aime bien. Bon, ça a été lancé. Bon, ça lance. Bon, bah écoute, si je m'amusais, je suis dans le peloton, j'espère qu'il y aura de la bagarre, comme on disait. Yes. Ouais, j'espère qu'il y aura un peu de fight devant. Mais c'est ça qui est contradictoire, parce que finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter la bagarre au maximum. Parce que la bagarre, ça fait perdre du temps. Et d'un autre côté, s'il y en a, c'est cool. Ouais, si. Mais en fait, tu préfères l'éviter quand tu joues à l'avant. Et une fois que t'es dans le peloton, c'est tellement cool de se battre que bon. Bon là moi aujourd'hui je sais que quand il arrive j'ai pas le rythme pour aller jouer devant, du coup le but c'est vraiment avoir du fun et m'amuser avec tout. Et là j'ai surtout peur de casser parce que... Ouais moi j'ai un petit peu peur de ça aussi. Je suis pas 10e. Je sais que devant il y a FRI qui...
qui a souvent eu des problèmes au départ, donc on n'a pas que ça. Qui ça? Charlie. Ah oui. Bon, Charlie, c'est mieux d'être derrière que d'être devant. Hein. Oh. Bah oui, c'est vrai. Mais bon, je sais qu'il a souvent. Oui, oui. Mais après, je sais, il prend des très bons départs, mais je sais qu'il a souvent des petits bouts d'aéro en moins et j'ai vraiment peur que sa team parte encore. Ouais, Charlie et Joe font la paire. Hein. C'est deux pilotes qui sont relativement difficiles à dépasser. Et quand ils sont en bagarre, ils font preuve de... d'autorité. Après, c'est bien, j'aime bien les bagarres. En fait. Ah, j'ai Sableg juste derrière. Allez, Sableg, double Williams. Oh, Raikkonen, après des parcs, non. Ouh, et Lucas risque d'avoir des soucis. Ouais, Lucas est pas là. Je le vois avec une croix, moi. Ouais, parce qu'il a quitté, il est revenu. Mais il est là. Il prendra le départ clair, il est sur la grille, sa voiture. T'es sûr qu'il prendra le départ? Parce que, en général, quand on va dans le tour de formation. Non, c'est pas dans le tour de formation, c'est avant le tour de formation. C'est entre pendant le chargement. Tu vois le petit temps de chargement qui est entre les qualifs, ouais, et la course, c'est là. Mais si tu bugs juste pendant ton formation, ça va, je peux. Et ça va être pour ça au grand pitching, c'est bâtard pour le master. Oh, j'ai pris un formidable départ. Je suis P2. Il y a eu une grosse case devant moi. Il y a eu un gros ralentissement, je suis P5. Je suis passé en E2, je sais pas pourquoi ils ont ralenti, je les ai doublés. Je suis passé de P10 à P5. Ouh. T'as vu ça, Kala? Sky Reunit. Et t'as vu ce que j'ai fait après? Bah non, le con de Joe, il a mis la mauvaise caméra. Ouh. Oh, Reunit. Oh, comment il a tapé. Oh, c'est le départ. Je pense que là, je viens de prendre le plus beau départ de l'année. Moi aussi. C'est mon plus beau départ. Passé de 5e à 10e, on est en Hongrie, on n'est pas au Mexique. Bon, moi, j'ai fait 4 à 2. Ouf. Freedom 1017. Et bien sûr, ça bug. Des galères en galère. Et parfois, Mister Music, 6e, comme 7e. Costaud. Il y a un gros trou derrière après. Il y a de la casse au coup du virage. Bah, derrière toi, t'as Mister Music, c'est puis t'as un trou et t'as Ayrton. Ouais, il y a un énorme trou. Et là, je reviens bien sur sa bague. Comment ça? Je sais pas ce qu'il va faire. S'il va laisser ou s'il va faire sa course. De toute façon, je m'en demande, je fais ce qu'il veut. Je suis pas dans le rythme. Je suis vraiment pas dans le rythme. Ouais, je te vois, t'as l'air un peu en galère. Ouf! Je me sens bien perso là. Ah, Louis. Louis et Ayrton ont cassé. Ryu qui rentre aussi. Je suis bloqué derrière sa bague. J'ai pas mal de temps. Je peux couper un peu, je pense. En fait j'ai pas digéré mon départ. J'ai P4, de toi. C'est bon. T'as ce début de course. Oh là là. Il a fait son tour en premier, peut-être. Il va être trop. 22-0.
Nous allons voir que. Dominique fait une sacrée course. Il est relié à sa bague et je pense qu'il est plus rapide. On va dire ça. Et il est 4-6 dixièmes. Hein. Ouais, il est bien. Franchement, hein. Il est bien fort. Ils ont montré mon départ. Oui. Sur le live. C'était une vue supérieure de toute sorte. Ça va, en rythme de course, je suis bon, 22.3. Non, non, pas. Mister Music, c'est collé au cul de sa mec. Putain. Thank you.
Tu reviens, Benoît? Oui, légèrement. Ça va pas, ça. Check your hands. Skype qui revient pas pour une histoire de musique. Qui revient, Skype? Ouais, sur une histoire de musique.
Paul. Putain, il t'a amusé que c'était cassé un aileron sur Skype. Là, il va devoir changer le rond. Putain. Là, ça se traite tout de suite. Il y a déjà des pénalités? Aucune. Thank you.
3 secondes de pénalité pour Sky et pour Charlie. Merci Charlie, merci. T'as pas de courant. Ouh, c'était juste la game.
Estelle. Pourquoi tu serais? Il était à 2 secondes, il a secoué, il est passé à 9 secondes. C'est une idée. J'ai eu son micro activé. Il est tout. Ça m'a fait toute la qualité. La vie d'une taille. Tupac est un monstre. En effet, il a raison sur Freedom. Quoi. Thank you.
ce qui revient sur Charlie. Merci Mitch. Super. Ça c'était un endroit pour laisser passer. Cinco. Thank you.
petit couteau. Je suis revenu dans le cycle en mode. J'ai tiré un coup de stress, j'ai tapé dans le récit, puis j'ai fait le. Enlever la protection. C'est qui revient sur toi, Benoît? J'ai plus l'idée, c'est Sky. Ouais, c'est Sky. 3 secondes. Mais il a 3 secondes de temps et tu. Je te vois bien. Encore 3 secondes sur Sky.
dans T6.
C'est qui est derrière moi? Sky. Non, Sky. Mais il a reçu une grande de pénalité. Quand je vois son rythme, je crois pas que c'est ça qui l'empêchera de finir devant moi. Il faudrait deux gars qui reviennent. Je sais pas où il en est niveau carburant. Pas non plus. Tu peux faire un topo des commentaires qu'il y a là sur mon live? Ouais. Tu es con, Bambi. Oh là là. Il dit, je mets des trucs dans mes chaussures pour que ça sent bon. Oh là là. Sky qui roule. Ok, in the slap, in the slap. Et il met des super. Logique. Hein? Merci pour l'info. Fais gaffe parce que Sky est devant le Tupac. Il va peut-être falloir jouer sur ça. Thank you.
Bon, là, ça va être quasi impossible de tenir Sky derrière. Surtout pendant 20 tours. Il n'y a pas que la 3 secondes de marche. La saison, pas comme un sprint. Il vient de claquer le meilleur tour. Hein. Ça devrait dire. Wow. Merci Lucas. C'était pas Lucas, c'était Ryu. Non, c'était Lucas. Encore une Ferrari? Ah, c'est pas sérieux.
Lucas est repassé au sol. C'est Ryu? C'est Ryu Lucas, oui. La première fois avec Alibo, c'est Ryu. Ça y est, Sky appelle la jonction, il va pouvoir m'attaquer bientôt. Pour venir. Faut que tu peux. Tu veux le volant? C'est marrant toi, tu me payes le billet d'avion. Voilà. Je vais faire ce que je peux. Trois secondes de pénalité encore. Donc ça veut dire qu'il y a 9 secondes maintenant. Pas 6 secondes de match. Benoît, tu peux même lui passer devant aussi si tu n'as pas de pénalité. Non,
coup, il a été large dans le dernier virage, Sky. Et petite info, Sky n'utilise pas sa 8ème vitesse dans la ligne droite. Ok, copy that. Rio. Ah ouais, il en a eu marre, il a cassé la ligne. Il est presque pareil qu'avant le. Ah ouais, c'est catastrophique. Oh, c'est chaud entre Charlie et Mister Music. Ah, ils n'arrivent pas de se dépasser là. Trafic devant. Je ne sais pas qui c'est. Je crois qu'il y a un solaire. Ayrton et Atento. Merci Nico. Et il te laisse passer avec style, il te fait un drift sur, le, sur l'herbe. Thank you.
Sky a cassé son aileron. Sky a cassé son aileron. Où ça? À l'avant gauche. Mais comment? Sur moi? Apparemment, il t'aurait touché. Demander de revenir demain et de passer avec les pénalités. Oui, clairement. Il y a 9 secondes. Il y a 9 secondes. T'as 12 secondes max pour l'instant, mais ça se réduit. Et je lui reprends 2 secondes. En plus, Tupac arrive, il doit laisser passer Tupac. Je crois que ma pneu tourne Tupac entre lui et moi. Ok. Ça va être juste, mais c'est possible. Encore 3 secondes de pénalité pour Sky. Ça fait 12 secondes, 12 secondes. Moi je suis dedans. C'est bon. Là t'as 11 secondes 6. Merci les gars. S'il te plaît mon gars, attrape-le sinon je pourrais pas le battre. Il a un tour d'avance sur... Enfin, je suis pas dans le même tour. Du coup, si tu ne l'attrapes pas, c'est mort même si je suis à moins de 2 secondes. 3 secondes ou... Non, mais c'est juste que... Il a gagné. Non, on n'est pas dans le même tour. Tupac, il m'a pris le tour et il lui a pas encore pris le tour. Du coup, si... Si ça se termine comme ça, ben, je vais me faire baiser, mais tu feras un tour. Fais tout pas, s'il te plaît. Où Charlie? Charlie a bug.
Ah, je crois qu'il a derrière lui en plus. Satan. Une surprise. Oh putain, la poisse pour Charlie. Il a bug et l'ordi a fait un fond stomp. Ouais, il a banné le rond cassé. T'es revenu à 7 secondes sec de moi. Ouais, j'ai vu ça. Il y a plein de tours. Il y a plein de tours. J'en ai aucune idée. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Je pense, parce que je vois pas comment il aurait pu revenir à 7 secondes sans Tupac. D'ailleurs, Tupac est derrière moi, je crois. Tu me dis si Sky est bien dans son dernier tour. Ouais. Si Tupac et Sky sont bien dans leur dernier tour, normalement ça devrait être le cas. Oui. Confirme, je crois que ma première tour est finalement dernier. Donc Tupac ne me prendra pas un tour. C'est bon. Tupac lui a pris un tour. Tupac lui a pris un tour après. Dernier tour. La victoire pour Tupac, sauf erreur. Oui. En effet. Putain, avec qu'une minute d'avance sur Freedom. Bon bah du coup podium. Yes. Quatrième. Ouh le crash. Oh putain. C'est bon, c'est bon. Yes. J'ai pas dû la faire donc au final je perds que 3 points au championnat. Donc... Parfait. Hein. Par 4, contre, 15, 4, un truc qu'il va falloir que tu regardes, c'est mon départ sur mon live. Ouais. Alors tu sais que je suis pas un spécialiste des départs. Alors je sais pas si c'est les autres qui ont pris des départs de merde ou si c'est moi qui ai pris un départ canon, mais tu regardes mon départ. Ah putain c'est jouissif. Après j'ai mis 3 tours à le digérer quoi. Pour moi j'avais réussi mon départ, c'était goal quoi, c'était bon, c'est ma course réussie. Ah tu le vois, il est magnifique. Et je peux te dire que c'est rare que je prenne un départ magnifique. Il était très opportuniste. Louis 7ème, super. Ouh. Yes. D'abord Charlie et Mitch. Incroyable, incroyable. Mais il est pas mal dans le genre aussi. Ouf, pour un bon départ, mais devant il y a un mur de voiture, du coup, je peux rien faire. Arrivez au pré-virage, je prends un compadrie, je prends une tour. Je sors du pré-virage. Il y a 3 voitures qui partent en couille devant moi, je passe les 3. Après, t'as Lucas et t'as Charlie. Il y a un trou de souris, je passe entre les deux. Et après le tour d'après, tout ça blague. Et en 2 tours, je me retrouve 4ème alors que je parte 10ème en haut. Yolo. Mon départ, il m'a aidé. Tu peux regarder les messages sur mon live. Sky qui fait GG, bienvenue à Benoît. Belle course. Yes. Merci Sky, belle course aussi. Dommage. J'espère que je t'ai pas. Que c'est pas à cause de moi que t'as cassé. Et j'ai pas pris de pénalité. Ouais. J'ai longtemps. Et moi je finis pas un tour. Tablet 6ème, c'est top.
Ah mais Tupac était au-dessus du lot aujourd'hui. Incroyable. Oh, Tom, ouais. Joue, incroyable. Mais alors franchement, mais cette troisième place, c'est un rêve. Hein. Et super Louis, magnifique Louis. C'est bon, tu vas faire péter le martini? Non, parce que je bosse demain. Ah, Mitch qui marque des points, oui, Mitch. Ouais, bravo, Mitch. Mitch a fait une belle course. Je crois que tout le monde a fait une belle course. Il y en avait déjà marqué cette année, Mitch. Une fois, il me semble. Je sais pas. Mais alors là, troisième, c'est un rêve. Donc, classement. Hop, si tu peux juste rester sur les commentaires. J'essaie de voir. Alors, percuter au premier tour, elles vont casser. Je m'en sors bien pour une première, mais quand même déçu. Je pouvais claquer à podium. Ouais, ça se comprend. Sky avait vraiment le rythme. Sky, pour oui, clairement. Clairement, Sky. Après, c'est la course. Bon, bah moi je vais couper cette diffusion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vais juste regarder s'il y a encore des commentaires. Je sais pas si tu peux juste regarder. Ouais, bah c'est normal. Au début, il y a un temps d'adaptation. Ça blague super. Hein. Tu rentres vraiment dans la courbe des grands. D'accord, très bien. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était un grand plaisir de diffuser. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Grand Prix. Prochain Grand Prix qui aura lieu à Spa. C'est juste ? Ouais, c'est Spa. Oui, hein. Avec un spécialiste de la piste, Calabrese, qui nous aidera pour ce fameux Grand Prix. Du coup, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Reposez-vous bien et puis du coup, à dans 2 semaines.